Ready, set, hot! Êtes-vous prêt pour le Super Bowl en fin de semaine? Eh bien, Taylor Swift, elle, ne souhaite pas que le regarder à la télévision. Non, elle veut venir sur place à Las Vegas pour voir jouer son copain Travis Kelce. Mais c'est pas une tâche facile. Quelques heures juste avant l'événement, elle est à Tokyo pour un concert. Et l'amour peut faire faire de grandes choses. Pour ce faire, la récente gagnante d'un Grammy devra parcourir 8900 km. Ça, là, c'est 19 fois Montréal-Saguenay. Et elle va pas le faire en simple avion. Non, non, en jet privé. Vous savez, les engins qui polluent 4 à 5 fois plus que les avions normaux. On parle ici d'environ 9 tonnes de CO2 qu'elle va produire avec son avion. Pour vous donner une idée, un Québécois en produit autant en une année complète. Au moins, c'est pas elle qui fera le spectacle de la mi-temps, c'est le chanteur américain Usher qui s'en chargera. Mais revenons à nos moutons. Qui va remporter le Super Bowl 58? Les Chiefs de Kansas City, supportés par les Swifties, ou les 49ers de San Francisco? Bon Super Bowl!